Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. I just said that the gas chambers were a detail of Second World War history, which is clear. Ce qui est une évidence. Jean-Marie Le Pen, il est antisémite. Je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite ? Je ne le crois pas. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre ? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à c'est gaz étaient un pensée. Détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail vous des chambres à gaz. Vous maintenez ces propos ? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Le reste, est-ce que Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui a 95 ans et ne peut plus lui-même se défendre, était au fond lui-même antisémite ? On ne le sait pas, mais ça n'intéresse personne. Le 24 mars dernier, Marine Le Pen s'est faite photographier avec Vitaly Milonov, un député russe antisémite et homophobe, mais elle ne savait pas qui c'était. En 2006, Marine Le Pen a posé entre deux militants néo-nazis, mais elle ne savait pas qui c'était. En 2012, Marine Le Pen a valsé avec des nostalgiques du Troisième Reich à Vienne, mais elle ne savait pas qui c'était. À l'âge de 20 ans, Marine Le Pen s'est affichée avec l'ancien SS Franz Schönhuber, mais elle ne savait pas qui c'était. Si Macron est le Jean-Claude Van Damme de la politique, Marine Le Pen est la Richard Virenque de l'extrême droite. Fasciste à l'insu de son plein gré. Je pense qu'on est sur un conseil comme des années 80. Vas-y Marine, ça fait jeune de faire de la batterie. Alors ne pas s'apercevoir pendant le shooting que derrière elle, il y a la biographie et de Hitler et le journal de Goebbels que l'on voit ici au-dessus. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'est un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière, je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus.